Vous êtes bien, monsieur Buage, concierge du collège, concierge du collège de Savu? Sortez de mon collège! Je veux pas de témoin de Jéhovah ici! Non, non, vous inquiétez pas, nous sommes envoyés par le conseil communal. Oh, mais je vous connais, vous! Vous habitez pas le village, des fois? Tout à fait, je me présente, Jean-Samuel Lebas, président de la commission Ville et Village. Hans Niederoser, architecte spécialisé dans les monuments historiques. Bon, et qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, nous venons voir votre cloche. Désolé, ça va pas être possible. Comment ça, mais nous avons été désignés officiellement par la municipalité afin de nous rendre compte de son état. Nous ne partirons pas d'ici sans l'avoir vu. Vous comprenez pas le français, je vous dis que c'est impossible, assistez pas. Bon, j'ai bien une photo dans mon porte-monnaie, mais elle n'est pas toute récente. Il n'est pas question de nous faire une idée à partir d'une photo. Nous voulons pouvoir la scruter sous toutes ses formes afin de nous rendre compte si un lifting est vraiment nécessaire. Ah, ça c'est vrai que ça serait pas du luxe, mais je vous préviens, il y a du boulot, hein. À ce point? Ben, c'est qu'elle est plus toute jeune. À bientôt 60 ans. Ah bon? Vous êtes sûr? Ben, nous, sur notre rapport, il est dit qu'elle a plus de 100 ans. Non, mais ça va pas la tête. Même si je la fête pas chaque année, je sais encore l'âge qu'elle a quand même. Ben, dis-toi, vous. Pourquoi tout d'un coup vous vous inquiétez de son état? Ça c'est encore une blague du ministre. Mais pas du tout, est-ce qu'on allait la présenter là? Mais c'est qui ce ministre? Bah Pierre-Alexandre Schleppi, le ministre des bâtiments. Tout à fait, monsieur Schleppi est le municipal délégué à cette commission. Mais c'est un conseiller communal qui a déposé une motion au conseil, suite à des plaintes du corps enseignant. Je comprends rien ce que vous me dites. Nous allons être clairs, monsieur Buach. Les institutrices de votre collège s'inquiètent. Elles se sont rendues compte qu'elles ne raisonnaient plus comme avant. Et de plus en plus souvent en retard. Ah mais ça va pas le bocal, vous y toucherez pas, c'est moi qui vous le dis. Hein. Calmez-vous, calmez-vous, Maurice. L'opération éclair ne sera pas simple, vu son poids. Mais quand vous verrez le résultat, vous ne le regretterez pas. Bon, monsieur Buach, ça s'est perdu de temps. Nous n'avons pas que ça à faire. Monsieur Lebas, venez, montons la voir dans le clocher. Ah bah, vous pouvez toujours aller dans le clocher, vous allez pas la trouver. Ah bon? Évidemment, dans la classe en bas, en train de passer l'aspirateur.